J'ai lancé au mois de juillet un concours sur le thème jeu d'ombre, donc voici la vidéo de restitution, donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui la restitution du concours qui a été lancé au mois de juillet, dont la date de soumission des photos c'était au 13 août, donc il y a peu de temps. Je vous rappelle que par rapport à ce concours, il y a un gain à gagner, de fait, bien évidemment, et le gain c'était le trépied carbone de la marque KF Concept que je vous avais présenté dans la vidéo ici, donc je vous le remets le petit i, si vous voulez savoir ce qui a gagné. Donc, ma foi, un gain qui peut être intéressant si vous n'êtes pas déjà équipé. Donc, je vous rappelle, du coup, le thème, c'était jeu d'ombre. Je pense que c'était un thème qui pouvait être un petit peu pas mal adapté à l'été, à l'ombre, soleil, lumière. À vous de voir comment ça pouvait jouer tout ça entre l'ombre et la lumière. Malgré qu'on était en période estivale, eh ben, j'ai eu quand même pas mal de participants parce que j'ai 70 photos pour le concours, donc c'est toujours pas mal et je vous remercie beaucoup tous ceux qui ont participé. Alors bien évidemment, petite remarque, voilà, petit corollaire, il y en a toujours dans le tas qui m'envoient 2 à 3 photos. Je vous rappelle, c'est un concours, mais c'est comme même pour les revues, je demande une seule photo par personne. Donc moi, quand il y a plusieurs photos, bon, je vais pas être drastique et je dis pas 2 photos, je les enlève les 2. Moi, j'en choisis une, je prends la première que je vois. C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas la photo qui vous aurait permis de gagner, mais tant pis pour vous, là, par rapport à ça, je fais plus de sentiments. Je demande toujours qu'une photo, donc pour ceux qui m'ont donné plusieurs, tant pis pour vous. Par rapport au dernier concours ou encore les modalités pour élire le gagnant, c'était encore pas ça cette fois-ci. J'ai essayé de blinder les choses et ma foi, je pense que la façon dont c'est passé, bah, c'est pas mal passé, je dirais. Je pense pas qu'il y ait discussion sur la façon dont a été élu le gagnant, voire même le podium. Et dans tous les cas, bah, je pense que c'est difficile maintenant de faire mieux. Donc bon, je pense qu'on va s'en contenter, je pense pas que j'aille plus loin au niveau organisation. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite après que je vous ai montré maintenant les photos, les 70 photos des participants, histoire que au moins on vous ayez tous vu dès le début toutes les photos, que vous puissiez éventuellement vous faire votre avis sur quelle est la photo que vous auriez élue ou pas. Donc ces photos, c'est tout de suite. It's like every single scattered star aligned, and we handed over our hearts. The sweetest glances and the rush of getting caught. The happenstances, oh, who would have thought we'd ever make it? So let's make it better. The key to forever is back at the
Voilà, ma foi, 70 belles photos, 70 participations, et je vous dis encore, voilà, je remercie tous ceux qui ont joué le jeu. Après, des photos sont plus ou moins dans le thème, voilà, on peut toujours interpréter ça à sa façon. Donc j'en viens maintenant aux modalités pour élire le gagnant. Donc si vous avez vu la vidéo que j'avais lancée, enfin au lancement de justement de ce concours, j'avais fait appel à vous, oui, vous, pour avoir 5 personnes qui se portent candidats pour faire partie du jury qui vont élire la meilleure photo. Donc il suffisait de se porter candidat dans les commentaires, voilà, j'ai pris les 5 premiers, hein, je veux dire comme ça. Bon, il y a un désistement, j'ai pris un qui était en liste d'attente, mais globalement, j'ai eu 5 personnes qui ont constitué un jury, et 5 personnes, c'est des membres, voilà, parmi vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, à 5 personnes, dès que la phase des soumissions des photos a été fermée, j'ai pris toutes les photos, je les ai anonymisées, j'ai enlevé le nom et je leur ai mis un numéro 1 à 70. J'ai mis la galerie des photos à disposition de chacun des 5 membres du jury et je leur ai demandé dans ces photos-là, de la 1 à la 70, de me faire le classement des 5 meilleurs à leur sens. Sachant que après, ce que j'allais faire, c'est que la 5e gagnerait 1 point, la 4e 2 points, la 3e 3 points, la 2e 4 points, et la 1ère, donc la meilleure à leur H, au sens de chaque membre du jury, celle qu'il a préférée, elle aurait 5 points. Chacun répète, donc j'ai 5 fois 5 classements, et puis bah, après l'idée c'est de faire la somme des points qu'ont récolté toutes les photos, pour celles qui en ont eu, et de, bah, c'est celle qui a le plus de points qui a gagné, et vous verrez qu'il n'y a pas forcément de photos quelque part dans le résultat. Mais avant de vous montrer les résultats, ce que j'avais demandé aussi aux membres du jury, c'est de me faire une petite vidéo, ou au pire, audio, explicative de leur choix. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, rapidement, pour chaque jury, qui vont vous expliquer voilà, pourquoi telle photo, et telle autre, et pas telle autre, et le quel sentiment, et de ce qui s'est passé dans leur axe de réflexion. Donc on commence tout de suite par Sylvain. Bonjour à tous. Rapidement, les résultats du jury numéro 3. On y va, on commence par la photo numéro 5. Cette photo, je la trouve très intéressante parce que d'abord, elle est parfaitement dans le thème, c'est-à-dire qu'on a évidemment le jeu de l'ombre avec cette lumière rasante qui vient imprimer ce fond blanc, et en plus, on a ce petit trait d'humour avec ces deux yeux rajoutés là sur les ombres qui forment cette espèce de personnage un petit peu comique. Voilà, c'est un sens de l'observation bien mis en valeur, une jolie photo. En numéro 4, les deux pièces d'échecs, les ombres des pièces d'échecs. Les pièces maîtresses, le roi et la reine. J'aime bien cette photo parce que j'aime sa simplicité et j'aime en même temps les textures, cette espèce de grain qu'on retrouve sur cet échiquier. Voilà, je trouve que c'est très joli. En plus, on a vraiment un jeu d'ombre parce que on a à la fois cette ombre très portée, l'ombre des deux pièces, et en même temps on a une petite ombre qui vient couper l'image en deux en diagonale. Voilà, je trouve cette image très intéressante. En numéro 3, j'ai choisi cette image, l'image de la cuillère et l'ombre de la fourchette. Je pensais au départ que c'était un trucage, que c'était un montage photo. Je pense que non, en fait. Parce qu'on voit ici le reflet de la cuillère, et je pense qu'en fait, c'est une ombre d'une fourchette qui est placée au-dessus ou vers la lumière, je ne sais pas où exactement. Mais du coup, je trouve que cette image est très chouette, quoi. Il y a beaucoup de créativité. Et encore une fois, avec presque rien, je dirais, on peut faire une belle image, quoi. Voilà. Très joli.
À la deuxième place, j'ai choisi de mettre cette photo du luminaire sur le mur, tout simplement parce que c'est une très jolie photo, un très beau noir et blanc, très graphique, avec ses lignes verticales, ses lignes diagonales. On est parfaitement dans le thème entre les jeux d'ombre et de lumière. On passe des zones claires aux zones plus sombres par des beaux dégradés de gris. Non, c'est vraiment un très beau noir et blanc, une très belle image, bravo. Pour la première place, j'ai choisi la photo du volant de badminton. Une très jolie image qui respecte bien le thème, encore une fois, jeu d'ombre et de lumière, c'est parfaitement maîtrisé. Une très belle photo qui met en valeur un objet finalement assez banal, mais par cette maîtrise de la lumière, cette maîtrise aussi, je dirais, du cadrage, de l'angle de prise de vue, on arrive vraiment à une très belle photo, je trouve. Bravo. Voilà pour Sylvain, je te remercie encore. Le jury suivant, c'est Jeff Frédé. Bonjour, merci à Jeff de m'avoir fait l'honneur de me désigner dans son jury pour son concours photo 2021. Je vais essayer d'être à la hauteur de ses espérances. Alors, nous ont été envoyées 70 photos, il faut en garder 5 et les classer de la première à la cinquième. Ça n'est pas chose facile, je dis tout de suite que c'est mon choix personnel, d'autres en feront de différents. Parmi les photos que je n'ai pas retenues, il y en a sans doute au moins 2 ou 3 qui mériteraient même de gagner. Mais à un moment donné, on a aussi une préférence personnelle, voilà, dont il est difficile de se départir. Alors j'ai commencé par regarder si le thème était respecté, il s'agissait de jeux d'ombre. Donc il faut qu'il y ait des ombres, mais ça ne suffit pas, il faut que ces ombres jouent entre elles, et des relations, des interactions. Alors soit le photographe les a trouvées telles quelles, les a photographiées, soit il les a créées, soit même il a fait des montages, puisqu'a priori c'était pas prohibé. Donc voilà, alors nous passons tout de suite à ma proposition. Donc la photo que je classe en numéro 5, c'est la numéro 23. Dans la liste qui nous a été envoyée. Alors c'est un montage, hein, visiblement, mais pour moi, quand un montage est visible, il n'y a pas de souci, il ne peut pas y avoir de tricherie puisque ça se voit. Donc le photographe a eu une idée, c'est une astuce, hein, vraiment il a joué avec l'ombre puisqu'il a supprimé l'ombre de l'objet photographié à remplacer par une autre. C'est un clin d'œil, c'est bien réalisé, c'est bien éclairé. Voilà, après, ça ne fait pas partie des photos du style de photo que je préfère, mais je trouve que dans le cadre de cette consigne qui était donnée de jouer avec les ombres, c'est quand même assez bienvenu, c'est pour ça que je la place en cinquième position. Une photo qui relève un petit peu de la même démarche, hein, c'est donc la numéro 50. Là, visiblement, on a encore affaire à du montage. On voit que le photographe a récupéré une structure d'un bâtiment pour y inclure un personnage. Et là, pour le coup, les jeux d'ombre sont vraiment éclatants. Et le contraste très fort du noir et blanc s'y prête vraiment à merveille. On a le tour des lunettes même qui est pensé, qui est blanc par rapport aux verts qui sont très, très foncés. Voilà, là encore, c'est de l'astuce, mais c'est bien fait, donc pour moi, je le garde dans la sélection, je le mets en quatrième position. En troisième position, je propose cette photo-là, qui peut paraître beaucoup plus banale, c'est la numéro 37. Là, pour le coup, le photographe a vu ce qu'il avait devant lui, simplement, avec une lumière rasante. J'aime bien, alors, on a déjà vu ce type de photo, naturellement, mais c'est bien réalisé, on a les ombres des marches, qui sont décroissantes vers le bas, et puis le croisement du reflet de la barrière, et aussi les ombres de la barrière elle-même, puisque comme elle est éclairée par l'arrière, la face qui nous est montrée n'est pas forcément éclairée. Le seul élément perturbateur de cette photo, c'est un peu le grillage de poulailler sur la gauche, mais bon, on le remarque peu. Donc c'est pas forcément gênant. Voilà, j'aime bien cette photo qui est toute simple par rapport aux deux autres, mais qui est spontanée, quoi. C'est une image prise dans la foulée, et j'aime bien ce genre de démarche. La photo numéro 2 que je vous propose, c'est la numéro 17. Alors là, de nouveau,
On a non pas un montage, mais un gros travail sur la lumière, sur l'installation. Le photographe fabrique vraiment son image et c'est réussi. Hein, il a eu l'idée de faire jouer l'ombre d'un objet qui est ajouré, avec un éclairage judicieusement placé. Il y a un beau travail de composition et de réalisation, et une maîtrise technique qui est là. Bon, sans doute une photo qui mériterait de gagner, je ne sais pas ce qu'il en sera. Je la place en deuxième position. En première position, j'en viens à des choses simples, on pourra trouver cette image plus banale. Et moi, elle me parle, par rapport à des photos très, très, très techniques, de mise en place et tout, là, je me retrouve dans un paysage où je peux me projeter. J'ai l'espace pour marcher, pour aller suivre le personnage qui s'en va et qui est détouré par une lumière rasante du lever ou du coucher de soleil, on ne sait pas. Évidemment, ces situations donnent toujours des ombres portées, donc il y a un jeu d'ombre par ces ombres qui viennent dans des endroits différents, parce qu'on voit que l'ombre de la fontaine part sur la droite et du lampadaire aussi, alors que l'ombre des arbres part sur la gauche, donc c'est cet effet d'éventail qui conduit le regard vers le milieu, vers le lampadaire. L'image est fermée par du sombre des deux côtés, une montagne presque inquiétante sur la gauche, et puis ces arbres dénués de feuilles, cette fontaine qui est un modèle ancien qu'on tournait, moi j'ai tourné ça étant enfant, j'aime bien, il y a une ambiance dans laquelle je peux rentrer dans l'image, aller me promener, ça évoque beaucoup de choses. Et c'est pour ça que ma préférence va à cette photo, qui encore une fois peut sembler banale au premier abord. Merci Jeff 2. Voilà, le jury suivant, c'est Jocelyn. Bonjour Jeff, bonjour à tous. Alors, donc, je suis un des jurys et ça y est, ça n'a pas été facile à trancher, mais j'ai réussi à trancher un petit peu en ce qui est ombre, voilà. Et donc, je suis arrivé à la conclusion, j'ai pris la cinquième place, la photo 61, celle de la plante, son reflet dur. Et bon, l'ombre fait un petit monstre, c'est sympa, j'ai trouvé, c'était amusant, voilà. En quatrième position, c'est la photo, c'est la 68, celle de la forêt prise en contre-jour, parce que je l'ai trouvé surtout attrayante par rapport à la lumière, par rapport aux couleurs, les effets de vert, la forêt de sapin, j'ai trouvé que c'était assez sympa, mais j'ai pas la classer plus que ça, parce que je trouve les effets d'ombre, c'est juste quoi. En troisième position, j'ai pris la photo 17, celle du volant en fait, qui est assez sympa parce que il y a de la technique, il y a de la recherche, il y a de tout. Le prise en haut au flash, je trouve que c'est assez joli le volant avec ses dentelles. Enfin voilà, c'est au point de vue technique, au point de vue flash, franchement, elle est assez sympa. J'hésitais entre les trois premières places. Et donc, en deuxième position, c'est l'homme, la silhouette de l'homme qui court et qui tient par la main l'homme. Donc, on ne sait pas si c'est l'ombre qui court, enfin, qui tient par la main l'homme ou l'inverse. Et rien que pour l'idée, pourtant, elle est simple, mais franchement, elle est sympa. Et puis, donc, en première position, moi, c'était tout simplement le portrait féminin. Parce qu'il y a de la recherche, il y a de l'idée, on voit les ombres dures qui coupent le modèle en deux, elle est habillée en noir, donc je trouve que ça fait un bel effet d'ombre. On a plusieurs ombres, celle du cou qui est assez dure, donc je pense que c'est une lumière qui a été prise midi, entre midi et 2 heures, assez dure, peut-être sous un porche, et donc on voit cette ombre en même temps qui est sur l'arrière-plan, et franchement, esthétiquement, j'ai trouvé sympa, c'est presque mon coup de cœur, voilà. Merci Jocelyn pour ta contribution, le suivant c'est Romuald. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Romuald, donc je vais vous présenter les 5 photos que j'ai retenues pour ce concours. En numéro 5, j'ai choisi cette photo qui exploite l'idée d'avoir une ombre qui diffère du sujet principal. Ici, c'est fait simplement avec l'ajout de deux petits accessoires, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de photomontage. En numéro 4, j'ai pris cette photo qui exploite une construction humaine.
avec des motifs de répétition qui peut être lu dans plusieurs sens. Je regrette juste que l'élément humain n'ait pas plus d'importance dans la photo. En numéro 3, j'ai sélectionné cette photo parce que j'aime bien l'idée d'avoir d'un côté le pied du verre et le reste du verre dans son ombre. Par contre, je regrette qu'il n'y ait pas, on va dire, un élément créatif autour du verre d'origine, parce que la coupure est vraiment trop brutale, enfin elle est très visible, et voilà, il manque le petit quelque chose pour vraiment faire que la photo soit percutante. En deuxième position, j'ai choisi cette photo. J'aime son côté minimaliste et ton sur ton, avec a priori un double jeu d'ombre, celui de l'abat-jour et celui d'une structure en arrière-plan. Et enfin, en première position, j'ai sélectionné cette photo parce que je trouve qu'il y a un très beau travail de recherche. Sur l'éclairage, sur bah forcément le jeu d'ombre et sur le côté graphique. Je regrette juste qu'il n'y ait pas assez d'espace à droite, à gauche et en bas. Merci à toi aussi, Romuald. Et enfin, le cinquième et dernier membre du jury, c'est Vincent. Bonjour Jeff, bonjour tout le monde. Pour réaliser mon classement des 5 meilleures photos de ce concours, j'ai particulièrement fait attention au respect du thème proposé. En effet, il y a des photos qui sont très jolies, hein, c'est pas la question, mais qui ont oublié moitié du thème, dans lesquelles on retrouve des ombres, pas de souci, mais par contre, on cherche le jeu. Et bien évidemment, je n'ai pas tenu compte des photos qui avaient confondu les reflets avec les ombres. C'est quand même pas du tout la même chose. Mon numéro 5, c'est cette photo qui est, je pense, un montage. Alors c'est vrai que la composition est moyenne, que le dégradé noir en bas de la photo, ça gâche un petit peu l'ensemble, mais il y a un vrai intérêt, hein, à ce personnage de dos qui parvient à guider notre regard et qui nous invite à la réflexion. Mon numéro 4, c'est ce photographe qui joue avec sa propre ombre. Alors l'idée n'est pas nouvelle, hein, elle est même carrément assez banale, mais ma foi, ben, cette matrice de points en arrière-plan, c'est très graphique. Ça lui donne un petit goût de nouveauté qui est fort agréable. Mon numéro 3, c'est ce nu qui est extrêmement bien réalisé. Voilà, c'est beau, c'est original, c'est gracieux, techniquement, j'ai rien à dire. Le photographe maîtrise, c'est une évidence. Les ombres jouent entre elles pour un cliché entre réalité et imagination. Numéro 2, cette photo de papillon qui joue entre contre-jour et ombre. Je la trouve d'autant plus méritante que j'imagine la rapidité avec laquelle le photographe a dû la composer et la prendre. Je suppose que la teinte bleue a été rajoutée en post-traitement, mais ça lui va bien, ça renforce ce côté ombre. Et enfin, la photo numéro 1. Ici, le photographe joue littéralement. Ah là, il s'amuse, hein. Il joue avec les ombres, il joue avec les objets, il joue avec son imagination et la nôtre. C'est sûr que techniquement, c'est pas la meilleure photo. Il y a des points chauds, l'exposition pourrait être meilleure, on peut discuter du cadrage. À mon avis, c'est vraiment la photo qui répond le mieux au thème qui était proposé. Voilà, c'est mon classement. Forcément, il est partial, hein, ne m'en voulez pas. C'est normal, je juge avec ce que je suis, avec ce que j'aime ou ce que je n'aime pas en photographie. Merci à Vincent, merci à vous cinq pour avoir fait l'effort de, pour certains, la plupart même, de passer devant la caméra et d'expliquer vos choix. C'est pas forcément facile, c'est un autre exercice. Et vous voyez que moi qui fais ça souvent, voilà, c'est pas toujours facile, en tous les cas, au début, après, bon, on n'y pense plus. Donc si maintenant je fais la consolidation de tous les votes, si je fais un tableau résumé des votes de chaque jury, ça me donne ça. Donc vous pouvez voir, voilà, pour les photos classées numéro 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque membre du jury. Si maintenant on fait un tableau qui liste toutes les photos qui ont reçu au moins un point, et que par membre de jury, on affecte les fameux points, hein, donc le premier il a 5 points, le deuxième 3, 4 points, blablabla, comme ça, jusqu'au cinquième qui a plus qu'un point. Donc ça nous donne le tableau résultant que je vous présente à l'écran, et du coup, si vous faites la somme des colonnes, on peut facilement déterminer quelles sont les photos qui
ont gagné en faisant juste le total. Et on voit que cette fois-ci, il n'y a pas photo quant au fait de se poser la question de quelle est la photo qui a gagné. On voit bien qu'il y a un gagnant, qu'il y a deux deuxièmes et qu'il y a deux troisièmes. Et ce qui va bien, c'est que j'ai même pas eu besoin d'intervenir. Je vous avais dit hein, dans les modalités que s'il y avait deux gagnants, c'est moi qui choisirais lequel des deux aurait gagné. Bon, mais j'ai pas eu besoin parce que le gagnant est sorti naturellement sans problème. Donc voilà, maintenant il est temps de restituer le podium. On y va. Donc à la troisième place, on a Joël Gallet et Stéphane Palanque. À la deuxième place, on a Philippe Baudouin et Philippe Legue, ou Légué, de Philippe. Et enfin, à la première place, donc le ou la, ça dépend comment on interprète le prénom, grand gagnant, c'est Claude Dalbègue, avec la photo qui était la photo numéro 17, avec le fameux volant de Babington qui a été pris, voilà, qui est un montage assez certain, qui était assez sympa, et qui au global, vous avez, il avait 17 points, qui était loin devant, presque le double de points de ce que pouvait avoir le deuxième et encore le troisième. Donc ma foi, il n'y a pas de discussion en tous les cas sur la photo qui a gagné, donc bravo à toi, Claude. Donc tout de suite, je tiens à le dire, c'est Claude, tout de suite, rapidement, le plus tôt possible, contacte-moi par mail. Donc mon mail est dans la description pour que justement on voit ensemble les modalités pour que tu puisses récupérer ton lot. Et bravo encore à toi pour avoir gagné, bravo à tous ceux qui sont sur le podium. Et comme je vous le disais, au-delà du fait qu'il y ait un gagnant avec un lot, ce genre de choses, bravo à vous tous et je vous en remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à ce concours. Et j'espère qu'on en organisera encore d'autres et que vous serez nombreux à participer. Voilà, Claude, ton cadeau qui arrivera bientôt chez toi quand tu m'auras donné notamment tes coordonnées, ce genre de choses. Voilà, on échange par mail pour caler tous ces trucs-là. Donc j'essaierai, si je peux, d'organiser encore, notamment KF Concept, parce que c'est eux qui me suivent sur ce genre de concours, pour un autre lot, ce genre de choses. On verra d'ici la fin de l'année si on en fait un autre, si vous êtes content de ce mode de fonctionnement et si vous voulez qu'on en fasse d'autres, voilà, dites-moi en commentaire. Voilà pour cette restitution, j'espère que cela vous a plu, même ceux qui n'ont pas forcément participé. C'est toujours intéressant de voir tous les gens, comment ils ont interprété le thème jeu d'ombre. Vous voyez, j'ai fait intervenir aussi les membres du jury qui sont mouillés pour expliquer comment ils ont choisi telle photo, telle autre photo. On voit que certaines visions se ressemblent, d'autres visions diffèrent complètement. Au final, ça nous a permis quand même de greffer, de trouver un gagnant sans ambiguïté, voilà, c'est ça qui était sympa. Voilà, merci de m'avoir suivi, donc toujours pareil, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche bleue non plus, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, voilà. Merci de m'avoir suivi, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bonne rentrée pour ceux qui sont rentrés, voilà, merci, au revoir.